on a bien bouffé. Ça va, t'as le cul plein? Enfin, le cul plein, genre... J'ai l'estomac bien rempli. Ah ouais, les fesses bien. Oh, par une contre... bonne sieste, là. Ouais, une sieste de ouf. Ouais, ouais, on a à pied. On rentre à la maison, on fait quoi? Réfléchir, active ton cerveau, réfléchis. Genre quand on était en train de manger, il y en a un, il nous a appelé, réfléchis, après maintenant réfléchis. Ah oh, putain, oui, c'est vrai. Mais on est à pied, ouais, comme t'as dit. Ouais, ouais, bah réfléchis maintenant, comment on a fait maison BK? On a appelé un taxi. Mais non. Bah si, ça m'a même coûté cher. Mais non, et du coup maintenant, comment on fait BK, garage? Enfin, garage, t'as compris. J'ai plus d'argent. Alors gros, tu mens, hein. Je vois dans tes poches, il y a des billets qui dépassent. T'es en train de mentir, ah, là. Merde. Bon, ok, j'appelle un taxi, bouge pas. Voilà, nickel, merci, c'est ce que je me disais. Parce qu'en fait, écoute-moi bien, si tu m'écoutes pas, tout ce qui va se passer, en fait, si tu m'écoutes pas, si tu continues à pas m'écouter, tu vois. T'es au téléphone, appelle, ferme ta gueule et appelle. Putain, tu me saoules. T'es moi comment il a dit. Oui, bonjour, je vais prendre un taxi pour un beau gosse et une grosse bouffonne avec une casquette jaune. Je vais baiser. Ouais, oui, T'es moi ça, mais c'est quoi ça? Au Burger King. T'es moi ça, frère, il est zéro flow. Zéro, des 0 sur 20. Il voit son cul dehors. Que la dernière fois, parce que la dernière fois, on a attendu 2 minutes. Genre là, le mec, il va avoir peur. Voilà, merci. Au revoir. T'es moi ça. tu essaies de te prendre pour un beau gosse là? Non. Jamais... En fait, il y en a un là-bas, gros. Tu passes par toi, hein, mais il est tellement moche. Ah bon? Comment ça? Ah, c'est un truc de fou. Il y en a un, il est tellement moche. Vers là-bas? Là, juste là. Là, juste là. Mais wesh! Ah bah, à côté. Vois, t'as vu ça le taxi que j'ai appelé? Est-ce que c'est le même que tout à l'heure ou pas? Bonjour monsieur. Ah non, tout à l'heure, on est votre collègue. Ouais, bonjour. Ça va bien? Oula. Ça va? Oh, tu me dis quelque chose, toi. Attends. Peut-être. Allez-y, montez. Hein, monter c'est... Ah oui, ok. Ouais, ouais. C'est quoi votre destination, là? On va où, Choupette? Il a dit où? Bah, au 90. Attends, 90-63 là-bas. Dans le 90-63. 91-67, par là-bas. 91-67. 91-67, chef. Et ça vit maintenant, les taxis. Des fois, il y en a, ils étaient en Peugeot. Là, ça roule en Mercedes. Ça vit. Ouais, t'as vu. Vous voulez un petit joint, là, fumer et tout? Non. Je suis en train d'en fumer un. Bon, là, ouais, que j'ai récupéré ouais, et tout. Attends, par contre, chef, en fait, là, il y a mon chien qui accouche, donc il y aurait moyen de passer ouais, la 6. D'accord, ok. Voilà, nickel. Attends, la 6, là, je suis en train de caler. Mais si tu regardes bien, c'est une boîte auto. Quand tu disais passer la 6, c'est... il faut que tu accélères pour que la 6 elle passe. Ah, d'accord, ok. Vas-y, accrochez vos ceintures de pas sécure. Sinon, ça va la vie, elle est belle ou pas la vie? Feu rouge, elle est belle ou pas la vie, ça va? Quand je descendrai de cette voiture, ouais, ma vie sera belle. Mais que uniquement quand je descendrai. Chauffeur celui-là, tu le vois? Tu le vois celui-là, chauffeur? Tu fais trop le malin, attends. Attends, mais il habite où? Bol. À chaque fois, il change de maison. Vous avez pas une conduite très douce? Oh, t'es moi, il y a Cilian, il y a deux Cilians. Mais non! Oh, il y a des poulets. Attends. Mais non. Roule ta grand-mère avant que je te tarte. Faut pas tuer les Cilians. Voilà, on arrive à destination là, messieurs. C'est là? Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est là. En fait, vous voulez pas nous déposer dans la petite rue derrière? Ah, bah on va marcher. Bah, allez-y, venez. Ouais, vas-y. Viens, vas-y, on va marcher. On va marcher, frère. Merci pour la course gratuite. Ouais, vas-y, ouais. Bisous. On va y aller. On va y aller, on va y aller. Attends, mais on est chez des... Ah bah... Putain. Ah bah, on arrive direct. Ah gros, on s'est incrusté nickel. Du mauvais côté, je crois. Bonjour, chef. Avant quoi, bien? Ouais. Putain, toujours dans la main, le champagne, hein, toujours. Oui, toujours depuis que j'ai glow up. T'as la définition du mot glow up? Ouais. C'est quoi? Tu veux que je te montre la définition? Viens voir la définition, chef. Tu vois, l'autre jour, quand tu m'as appelé. Ouais, l'autre jour, quand je t'ai appelé, ouais. Je te dis, ouais, j'ai pu m'en regarder le mot. Voilà, elle est là. Là, t'as glow up, là. Mais non, mais en fait... Mon patron, il l'a donné. Non, mon patron, il me l'a donné. C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné, en fait. Mais parce non, que... chef, t'as pas compris, toi. Tu es vraiment bête. Il va te coûter plus cher. Qu'est-ce qu'il va te rapporter? Mais t'as pas compris. Elle tourne pile poil comme il faut. Elle tourne sur 3 cylindres au lieu de 4, mais ça, c'est pas grave. Bah, du coup, pile poil comme il faut, c'est pas les bons termes mais utilisés. Mais c'est suffisant pour moi, chef. T'as de la chance si je suis là. Vas-y, mais du coup, tu. Tu es venu pour. Ouais, je sais. Ouais, voilà, exactement. Ah, en fait, elle a de l'argent à dépenser aujourd'hui. Ouais, je sais, tiens, plus d'argent. D'ailleurs, t'as fait ma nouvelle voiture. Ouais, t'as du goût, hein. T'as du goût. Tu as vu ça? Elle vient tout droit du Maroc. Ouais, hein. Elle est toute neuve. Ah ouais, bah. 1 300 000 km. Ouais, elle est neuve. Ouais, neuve dans le papier. J'en connais une autre qui a 1 300 000 km, tiens. Elle est vers là. Elle est là. Comme ça. Tu m'as l'air en chaleur, je sais pas. Là-bas. Tu m'as l'air en chaleur, toi. Je vais te calmer un peu. Combien de kilomètres? Oh, c'est vieille, ça, c'est les anciennes. Hein. Ouais, c'est les anciennes. Hein. Oh là là. Putain, la peinture, elle est fraîche. Hein. Celle-là, elle a 233 000.
Ok. Et celle-là, par contre, elle a un petit peu plus. Elle doit avoir genre 300 000, mais le compteur, il est trafiqué. Comme le propriétaire, hein. La gueule comme ça, tu dirais 500 000, mais en vrai, il y a 1 million. Enfin, comme le prochain propriétaire, du coup. Ouais, bah justement, je crois qu'elle doit pas loin. Non. Elle doit pas être loin des 500 000, celle-là, chef. Hein. Viens, les 3500 des deux voitures. Ça fait beaucoup, une 3000. Toi 3500. Vas-y, toi, 2005, c'est bon. Ah, 2005. Ah, bah là, t'es dedans, vas-y. Oui, je suis gentil. Petit truc. Mm-hmm. Normalement, si je dis pas de bêtises, faut que tu viennes ici. Dans la boîte à gants, chef. Ouais. Des deux voitures. Ok. Toi, tu as un tournevis. Ouais. Ah. D'accord. Ouais. Non, mais toi, ce sera pas un tournevis, dis pas ouais. Ah. Comment t'es vraiment un vrai roux, toi. T'es bête. Mais c'est toi, t'es bête, toi. Regarde, t'expliques mal. Mais non, parce que toi, du coup, c'est le démarrage, tu démarres à la place. C'est toi que je vais démarrer, là. T'es sûr? Oh, ouais, les gars, ouais, calme-moi, ouais. Calme-moi en vrai, les gars. Chill, chill, okay. Chill. Parce que si je veux maintenant la voiture, je vais crever un pneu. Et là, si tu paieras plus cher. Non, tranquille. Non, tu vas réparer plus. Tu veux pas. Bien, vas-y, toi, du coup, c'est juste un petit tournevis plat. Ok, nickel. Du coup, ça se démarre au tournevis. Ok, ok. Ouais, je vais essayer de régler ça. C'est une pince cassée en deux. Il faut fixer du tournevis, parce que j'ai plus l'argent pour acheter un tournevis. Ah, d'accord, ok. Les clés, c'est en option, du coup. Si ça. Pense, hein. Si tu veux payer 12 ou 13 000 euros de plus, tu as les clés. Ça va, allez. Ah non, c'est bon. Finalement, tournevis, c'est bien, en vrai, j'aime bien. C'est pas mal. On évitera de croiser la gendarmerie. Mais du coup, oui, attends, si on croise la GN, il y a des papiers à donner ou il y a quoi? La plaque, ça sert à quoi? C'est comment? Ouais, il y a des papiers de l'ancien propriétaire. Mais quand ils vont capter que c'est du vol, on va être dans la merde dans tous les cas après, plus tard. Si, c'est plus mon problème, chef. Lourd. Viens là, petit roux. Ah, il a l'air. Voilà. Allez, vas-y, non, vas-y. Là, attends, je vais me pousser, moi. Vas-y, voilà, nickel. Encore un coup, je pense, il dort. Oh là là. En fait, t'es vraiment fragile. Vas-y, la bise, on se rappelle de toute façon à la prochaine. Ouais, je pars avec mon bolide. Vas-y, ouais, attends. Mon bolide. Il y a même pas de bruit sur le bolide. Vas-y, viens, on se barre. Et je vais appeler l'autre là-bas là pour les clefs. Charlie, il n'y avait pas de clé, frère, ouais. Je le sentais. Putain, mais comment on va démarrer ce... Bah, tournevis, hein, tu connais. Hein. Ah oui, tu putain, mais aïe. T'es chez toi là ou pas? J'ai besoin de toi pour un petit truc. Je peux y aller rapidement, pourquoi? Il est là ou pas, Bouboule? En vrai, je l'ai même pas appelé, je t'ai appelé toi directement. Non, là, il est pas là, là. Il a un problème familial. Et t'as vu, j'ai une voiture, mais sans faire exprès, j'ai pas de clé. Ah! Tu peux régler ça, toi, c'est bon, pas de galère, tu connais? Non, pas de Ok, bah tu peux passer chez toi là? Ouais, je m'y rends. Ok, vas-y, bah on arrive, je suis là dans même pas 5 minutes. Ok, bah vas-y, bah, à tout. J'y vais aussi. Vas-y, vas-y. Tu feras gaffe, ça frotte un peu en tournant. Bah je vais sortir dans l'autre sens, je pense, hein, je panique ma voiture moi. Allez hop, voilà. Aïe, ah merde, le voisin, désolé. Ouais, bah, pour paniquer ta bagnole. J'ai juste niqué un peu chez le voisin, mais ma voiture au moins elle est en bon état. Déjà que j'ai une portière en PLS, mon pote, je vais pas te mentir. Flamme de qui toute la voiture. Les pneus sont morts, j'ai tapé une axelle, j'ai les 4 roues devant quoi. Ah, force à toi. Putain de petits bolides, ça va être kiffant à conduire. Putain. Eh, conduis comme un être humain, commence pas à faire la lobsa là. Commence pas à faire la meuf avec des manières et tout. Conduis tranquille, je t'ai dit. Je vais lui mettre un truc dans les fesses, hein. T'es moi, il fait le mec qui accélère, il va se manger dans 30 secondes. Oh non. Oh non. Je tourne à droite moi. Oh non. Ah. Ah. Ah! Ah! Après, viens tranquille. tranquille. Contrôle de gendarmerie. Ah! Bonjour, monsieur l'argent. Je serai me présenter permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Putain, pourquoi t'as grillé le feu, choupette? Mais j'avais pas vu qu'il était rouge. Il roulait un peu fort. Ouais, il roulait fort. C'est hein. Peut-être un peu vrai. Merci. Permis de conduire et la carte d'INA dessus. Toi, t'es un 2001, toi, ma bite, ouais. Quoi, ça va être très bien, ouais, je vous rends ça. T'as 40 ans, merci, frère. Monsieur l'agent. Votre véhicule est en règle? Oui. Vous êtes sûr? On vérifie? Non. C'est bon. C'est bon, parce qu'en fait, on vient de l'acheter, alors faut encore qu'on passe à la préfecture et tout. Ouais, c'est ça. La moitié, vrai. Mais... l'acquisition, là. On a acheté, on a payé. D'accord. Ok. Bon, pas de soucis. Bon, on essaye de calmer un petit peu sur les accélérations, monsieur? Évidemment. Oui, d'accord. Hein? D'accord, monsieur l'agent, ouais. Pas de soucis. Ce sera bon pour cette fois-ci. Ah, bah, c'est gentil, monsieur. On commence à vous connaître lui, un petit peu. Ouais, lui, pareil, ouais, on commence à te connaître. Hein? Vous aussi, on vous connaît un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu plus que moi, quand même, aussi. Bref, allez. Je vous laisse, faites attention sur la route et puis ouais. on calme. Ouais, on calme. À très bientôt pour un autre contrôle comme ça. Ouais, rien ouais gens, petit hein. Contrôle tranquille quoi. Ouais. Allez, nickel. Allez, au revoir monsieur, bisous. J'ai de la chatte, il a pas regardé les pneus, tout ça. Parle pas trop fort, tu vas te rendre. Là, on parle dans le sens opposé. Le feu rouge, là. Oui, mais je suis dans le sens opposé, il me voit pas, il a pas des yeux dans le dos. Là maintenant, pas accélérer, sachant qu'il est de l'autre côté. Sauf s'il y a une autre patrouille qui va nous empêcher. Ah, parce que tu l'avais vu, c'est pour ça que tu m'avais dit de. Oh là là. Alors, non, je l'ai pas vu, mais en tant que bon être humain, je t'avais dit accélère pas trop. Fais gaffe, c'est bientôt à droite là. Commence pas à faire la meuf qui va accélérer et tamponner ses collègues. Et il est même pas là, oh là là. Oh putain, mais hey, il a toujours pas fait son entrée lui, c'est toujours une. J'avoue que c'est horrible, hein. Après la voiture elle est petite.
Un peu comme son cul à lui, là. Il a dit son cul, hein, pas son cul. On va avoir l'air con avec nos petites merdes, là. Ça va, oui, ça va, c'est pas comme se rouler en merguez. Wesh, ça riche, hein. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tranquille et toi? Bah ça va, ça va. Et gros, t'es un intrus chez toi? Mais non, mais c'est un pote. C'est le chauffeur de taxi défoncé. Ouais. Ah ouais. Ah, vous le connaissez? Non, on connaît pas. Écoute bien, la bleue, faudrait redresser portière conducteur, me faire des clés pour démarrer la voiture. Et pourquoi pas, peut-être, mettre un petit truc pour savoir s'il y a des radars, des trucs et tout. Et pareil pour lui, là. Lui, c'est clé et radar. Ouais, alors, brouilleur de radar. Les radars, ça je sais faire. Créer les clés, bah si t'as le. Enfin, ça t'inquiète, je me débrouille. Ouais. Par contre, redresser la portière ou je sais pas trop quoi, je suis pas mécano. Ah, t'es pas mécano, toi? Ah non, non, non. Et moi, merde. Bah, je vais gérer la portière moi-même alors. T'as oublié de lui dire qu'on n'avait pas d'argent aussi. Si vous avez pas d'argent, je peux vous proposer quelque chose où vous travaillez pour moi. Juste un petit truc, rapide comme ça. Tout ça, ils m'ont pas payé tout à l'heure. Hein. Comme ça, vous avez pas besoin de payer. Vas-y, dis c'est toujours, sûr, c'est quoi payé tout à l'heure. Il y a une voiture en fait, donc j'aimerais bien récupérer qui a un endroit un peu embêtant. Mais un chouïa juste, vraiment pas grand chose. Genre un garage un peu qui pue vite fait, on y va, on prend, on part. C'est, quoi. C'est ça, il y a 10 minutes à quart d'heure et c'est fini. Et du coup, faut rentrer pour prendre. Oui, lockpick quoi, calme, tranquille. On ne détient personne, on lockpick, on entre et tout. Non, voilà. Puis c'est un endroit du coup, enfin, il n'y a jamais la police. Ah bah vas-y, bah carré, c'est un endroit reculé, genre un peu loin de tout. Ouais, c'est ça. C'est bah ça. Parfait, en vrai, nous on connaît. Reculé, hein. Loin de tout. Vas-y, vas-y, ben nickel, on connaît allez, de toute top, façon. Top. Nickel, bah je te fais ça pour les voitures. Vas-y, et, nickel. Vous me faites ça. Vas-y, par contre, vas-y. Essaye pas de me doubler, hein. Tu sais que c'est mon pote. Hein. Là, il est peut-être pas là aujourd'hui, mais. Non, t'inquiète. Ouais, bah ouais, pas de galère. Ouais, vas-y, puis moi, vous savez pas qui je suis, hein. Vous savez pas qui je suis. Un mec fonce des. Ouais. Attends, mais lui, il vit, lui. T'es mort, frère, c'est 63. Il y a un problème là. Comment ça s'appelle les gens qui ont plusieurs identités? Bi-identitaire. Et je crois, je suis pas sûr que ce soit ça. Moi non plus. Pendant que je fais ça pour les voitures, ça vous dit pas de rentrer dans la maison? Comme ça, vous pouvez un petit truc et tout? Non, t'as des rats dedans. Du coup, laisse-les dedans, nous, on reste dehors. Ah, faut les mettre le poison, faut les mettre le poison. Ah, t'as plus de rats? C'est fini les rats? Non. C'était à l'époque. Bah, il est parti avec. Ok, bah vas-y, alors on va faire un petit tour alors. Il est pas là. Par contre, faut faire gaffe parce qu'il attaque le chat là, je crois, il me semble. Ah ouais, il attaque le chat, vas-y, je vais pousser vous. Ah ouais, ouais. Vas-y, poussez-vous. Le chat. Minou. C'est pas bien. C'est une blague. T'es sûr que tu veux me suivre? T'es sûr que tu voulais me suivre? Ta grand-mère. Je t'aimais un peu, mon rêve. Bisous. Pour les voitures, hein, c'est tout bon. J'ai tout installé. J'ai mais tout non, mis. T'as fait les clés et tout. C'est bon, maintenant on peut démarrer avec les clés? Ouais. Oh, t'es un bon. J'ai quand même mis un tracker dans l'ordinateur de la voiture le temps qu'on fasse la mission, histoire que je suis sûr que vous ne douillez pas. La prochaine fois, tu mets un tracker. Non, mais t'inquiète, ça se désinstalle. À partir du moment où la mission est faite, je le désinstalle. Y a plus. Ouais, ouais. Ok. Aïe. Les gars, faites-vous pas soulever par des chats, ça fait mal. Ça, franchement, ça pique. Eh, les gars, un chat, ça fait mal, un chat, en fait, un chat énervé. Hein. Ça fait mal. Ouais, mais, t'as ouais, mais celui-là, il est spécial, donc ouais, voilà, faut pas. C'est un bazooka, on va voir s'il est spécial, ce fils d'épite. Le chat, je vais te mettre dans le moteur si tu continues de me casser les couilles. Taille ta mère de là, va là-bas. Je te jure, je vais te broyer. Taille ta mère, toi, on t'a dit. Voilà, tu comprends pas? Voilà. Mais pourquoi t'as acheté une Lada Mercedes? J'ai pas compris. Tu t'es fait arnaquer, toi aussi? Mais non, c'est que j'aimais bien l'avant de la Mercedes, j'aimais bien l'arrière de la Lada. Ok. Oui. Oh, sa mère. Du coup, là, on va vers un lieu reculé et. Ouais, c'est ça, on va vers un lieu reculé, interdicté. Loin, très loin de la police. Ok, vas-y, nickel. Elle est mission comme ça, on kiffe nous hein, quand c'est loin de tout comme ça. T'es mal mon perso, comment il est moche. Oh la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient? Ah, elle est vraiment proche du poste hein, quand même. Eh gros, on n'a pas la même définition du mot discret, je crois. Mais si, mais c'est là, c'est juste là. Ah ouais, mais en fait, t'as vu, tes paroles, c'était un lieu éloigné de tout. J'ai une voiture qui est garée là-bas derrière et j'aimerais bien que vous m'ouvriez le portail, quoi. Il y a une caméra là à côté de moi. Bah oui, mais mets-toi pas devant aussi. Non, mais surtout qu'il y a genre 400 policiers là-dedans là. Tu veux faire mais quoi là? Non, moi non, je rentre non, pas là. Non, t'inquiète. Tu veux pas en faire la mission demain? Demain, on vient faire la mission demain. On demain. A des courses à faire, nous là. Soit vous le faites maintenant, soit j'éteins tous les deux vos voitures là comme non, ça. Non, c'est bon. Ouais, ça y est, tu commences à faire ta mijaurée. Et tu veux pas, genre, moi je vais genre l'autre côté. Et comme ça, si jamais t'es une galère, tu m'appelles pas. Non, mais non, bah vous regardez qu'il y a personne qui arrive. Ouais, ouais, je vais regarder là-bas, moi, qu'il y a personne qui arrive. Non, mais vous restez là. Ouais, là, ouais. Et je me. Hop, c'est ouvert. Wesh! Il a vraiment réussi à ouvrir le. Vous pouvez aller récupérer la voiture qu'il y a dedans maintenant? Non? C'est un commissariat, je crois. Mais c'est pas grave, y'a personne, il vous dit, je vois tout sur les caméras. Eh, vas-y, toi, moi je regarde ici s'il y a pas quelqu'un. Allô, qui mamie, rentre. Putain, oui, mamie, mais non, ouais, jure le. Viens là. Le chat, le chat, viens là, oui, sinon, mais sinon, non. Sinon, j'ai détruit ton téléphone, j'ai posé la batterie. C'est bon, je suis là en vrai. Non, gros, en fait, c'est un poste de.
Hop, 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 hop. Je suis pas sûr qu'il y ait un truc, hein. Aïe, ah, hé eh. Ah, voilà. Ah, il n'y a pas de voiture. Non, on n'a pas de masque, là, monsieur. En fait, ils peuvent nous voir. Ah, oh, il y a le portail, il s'est reverrouillé. Ah, bah, le problème, c'est que je crois que ça a déclenché une alarme. Hein? Non, bah viens, on y va. Bah viens, 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 on part. Viens, on part. On ouais. part, on part, on part, hein. On part. C'est la sortie. Non, mais c'est bien. Non, mais non, mais c'est peut-être. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bah, moi, je dis, vu qu'ils nous ont pas vus là maintenant. La voiture. Oui, oui, mais vu qu'ils nous ont pas vus. C'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, la voiture, elle est pas là. Elle est de l'autre côté. Donc, on aille de l'autre côté. Ah. Bah, ouais. Comment on enlève tout ce que t'as mis dans nos voitures? On peut enlever nous-mêmes ou pas? Non. Ah ouais. Non, sinon, on peut pas annuler la mission? Est-ce qu'elle pue ta mission? Non, parce que. Ah merde, c'est la police! Ah, mais c'est pas pour nous, t'es mince, c'est pas pour. Barre-toi. Ouais, ouais, c'est. Qu'est-ce que c'est qui va se passer? Ah, attendez, monsieur, vous êtes sur ma gueule là? Et je vous mens pas, je suis pas chaud. Eh là, c'est chacun pour soi. Hein. Aïe, ça fait mal ça. Monsieur, c'est pas moi? C'est pas moi. Ah là là, je crois que je suis dans la sauce, les gars, je suis pas sûr de ça. Ouais, je crois que. Les gars, j'ai deux voitures dans mes fesses là. Pas fou. J'ai une voiture derrière moi. On va voir, elle vaut quoi la 125i? Moi, j'en ai trois sur ma gueule, c'est normal. Aïe! Trois véhicules! Tu tournes aussi, tu préviens pas. Ah, ça a dû faire mal de face à face, je pense. Hein. Ça va, les filles, vous êtes en vie, vous? Personnellement? Ouais, ça va. Ok, ok. Bah, si vous, ça va, moi, ça va. Hein. La famille. Bof, j'ai deux êtres humains derrière moi, je sais pas ce qu'ils veulent, ils font oui oui oui, c'est un peu chiant. Ah, c'est chiant les gens qui font oui oui oui, fais-moi avec trop relou, trop relou, trop relou. Ça doit être un stage de conflit, les mecs d'autoroute, ils connaissent pas. Moi derrière, il fait poids. Ah, moi il fait oui 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 oui. Ils arrivent à suivre, hein. Ah, il vient seulement de commencer à faire les oui oui. Vous avez combien de véhicules derrière vous, là? Un. Ah, bâtard. Oh, t'as de la chance, toi. Ouais, chef. Oh, bâtard. Parce que moi, là, deux voitures, je vous mens pas, je vais souffrir, hein. Putain. Je sais pas, t'as quoi dire, toi? J'ai une coupe rare. Oh, t'as... Oh là là, t'as de la chatte. T'as de la chatte. Fils d'épite, déjà, une coupe rare, c'est une dinguerie, mais t'as de la chatte. J'ai deux BM, frère. J'ai une G80 et une F80. Ah, moi, je suis bien à côté. Aïe. Mais arrêtez de faire ça, les PNJ, je vous nique vos mères. Eh, sur les lignes droites, y'a moyen de moyenner, hein. Je vous mens pas. Sur les lignes droites et sur les virages, y'a moyen. Ouais, là, ah, monsieur, vous êtes un peu énervé, je crois. Hein. Mais tu sais que je t'ai même pas tapé pour moi. Oh, mais il s'est passé une dinguerie, là. Ah, une souris verte qui fumait de l'herbe. Je vais les niquer. Je vais les avoir, hein. Je les aurai un jour. Hop, je lui fais croire que je vais là-bas et en fait, je vais là. Hop. Et je lui fais croire que je vais là-bas et en fait je vais là. T'as vu la feinte, elle a un peu marché presque. Potentiellement peut-être. Hop, il aime pas ça lui. T'as vu? Ah, mais je suis un génie de l'informatique. I'm a fuck genius man. Ah, attends, on est sur GTA Online, pas GTA. Non, on est pas sur GTA Online justement. Il y a des fois, on se tape des mecs en fait des voitures, c'est pas tip top. Ah, vous êtes de ce type là, vous tapez des mecs. Ah non, lui, pas moi hein. Il est aveugle mon flic. C'est pas possible. Bah moi je m'ennuie, ça vous dit pas en échange de flics? Bah si, en vrai va BK si tu veux, je te ramène des copains hein, si tu veux hein. Vas-y, on se retrouve BK, attends, vas-y. Attends, il tape le cul. Ah la coquine. Ah t'es des bords là toi aussi, petite coquine. Mais j'avais rien demandé en plus. Poussez-vous, vas-y, je suis pressé, je suis en mode dark là. Attendez, je vais faire un petit passage vers là. Poussez-vous. Hop, un petit passage vers là. Tac, un petit passage vers là. Hop, un petit passage vers là. Je suis pas sûr qu'il passe, hein. Je pense que là je l'ai niqué. Ah, bâtard. Oh, il a anticipé mon anticipation, non. L'autre. Oh, le. Avec les BR. Ah, et ça, c'est dur. Ouais, j'arrive. En fait, je voulais faire un truc, mais ils m'ont anticipé de fou, les chiens. Là, je bombarde, là, je suis à 450, là. Là, je roule vite de ouf, là. Tout ça. Ouais, là, je suis à 451 et tout, truc de fou. Hop là, je suis sur la ligne droite, j'arrive. Hein. Je suis là vraiment très beaucoup bientôt. Hein. Ah bah je suis là. Salut. Je te passe le café, je vais le prendre. Un BK ou c'est quoi? Nickel, merci, t'es un bon. Ça va pas fonctionner. Eh, j'ai toujours les mêmes sur ma gueule. On va passer un peu par là. Même si ma voiture à moi elle tourne pas, il y a moyen de les niquer dans ces zones là. Ou sinon c'est moi, je vais me niquer. Peut-être, potentiellement, on sait pas. Les autres, on les entend plus par les radios. Est-ce qu'ils sont en train de se faire soulever? Telle est la question. Le PNJ, tu veux pas m'aider, mon ref? Il galère à suivre. On non, est là. Ça hein. Va être tranquille. Glisse pas, fils d'épite. Après, si t'as besoin d'aide, tu montes dans la voiture et tout.
Alors, je suis pas prêt d'abandonner la voiture que j'ai payée 3500, je vais pas te mentir. Quelle idée de la payer 3500 aussi. Eh, c'est une BM, ça vaut le coup. Ouais, mais tu la prends. Pas moi. Il a l'air d'avoir décidé d'avoir passé la deuxième, Guilherme. Putain, comment je vais faire? Faut que je me sorte de là, les gars. Il faut que je me sorte de là. Les gars, je souffre. Je crois que les miens, ils veulent pas me lâcher. Ils sont amoureux de moi. Vous voulez me suivre? Allez-y, venez. Suivez-moi. Allez-y, suivez-moi. Prenez de la vitesse, mesdames et messieurs. Ils laissent une distance, ils savent. Hein. Ils savent. Mais moi, je l'ai niqué. J'ai niqué ou pas? Ah non, je l'ai pas niqué. On va voir c'est qui le papa, moi, je vous dis. On verra bien qui rira quand il rira en dernier parce qu'il rit. Je lui ai dit gros, il m'a dit, j'ai fait un outrage. Eh, le mec avec la M3, il me rend ouf. Il est énervé. Il suit trop bien cette pite. Oh là là. Là là là. Là là là. Et ils sont en train de s'amuser, moi je suis en train de souffrir. Hop là. T'as pas suivi ça, mon pote? T'as pas suivi ça, sale bâtard, hein? Et ben voilà, je l'ai niqué. Et ben voilà. Ah, il est là. C'était aussi simple que ça, en fait, les gars. Il faut savoir maîtriser sa gova. Eh ouais, mesdames et messieurs. C'est bon, vous avez perdu. Ouais, moi je me suis chill de poser là. Ah bon bah attendez, je repère le mien parce que j'étais allé même. Ah, elle est là. Ça veut dire on va à la grange. Vas-y, je bouge dans le nord, on va aller vers le nord. Poussez-vous. Eh, par contre, la feinte que je lui ai mis, j'ai kiffé sa grand-mère, hein. Ligne droite et tout, bam, accélération, je l'ai mis sa mère. Hey. Pousse-toi, Vino, frère. Bon, ceux qui connaissent pas Vino, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Je vais mettre vers là, comme ça là, je vais voir où est-ce qu'on y va. Ah, je suis pas un camion, moi je suis une voiture. Hey, je suis RP, hein. Je m'arrête, je descends de la voiture, j'ai ouvert le capot, je fais l'animation et deux réparations du moteur, t'es mort. Il n'y a pas plus RP que moi en fait. Où est-ce que je peux aller? On va aller là, c'est quoi là? Il y a des trucs ici? On va aller 5001. Rendez-vous 5001, c'est un peu vers le nord. J'ai une BM sur moi. Ah, si t'as une BM sur toi, t'es dans la merde. Hein. Avec ta voiture, mon pote. Ah, il vient nous faire le pilote. Mais je pense qu'il va voir tout le monde sur sa gueule, là. Il est dans la merde. Faut que je capte Choupette et que je le fasse bouger sans dire la radio. Parce que si l'autre il se pétait, je suis sûr qu'il va balancer la position. Choupette, t'es loin de la position ou pas? 1,6 km. Vas-y, carré. Je me suis arrêté un moment, j'ai attendu de voir qu'il y ait bien personne qui me suive et tout. Bon, je dirais pas qu'il y ait 4 policiers derrière moi, mais Ah oui. Bonne chance. Ah ouais, bon courage, hein. Choupette. Attends, parle pas radio, viens on bouge, parce que j'ai peur qu'il s'il se fasse péter, il donne la pause. Ouais. Vas-y, et tu, le mieux c'est d'aller où là pour toi? Bouger encore plus dans le nord du coup. Viens, on va vers les 2000, genre 2016, 2015 et tout là-bas. Ouais, vas-y. Vas-y, go, on va là-bas. Je te suis. Vas-y. Tac. Ouais, parce qu'il va arriver vite. Vas-y, ben monte dans le nord. Hein. 5001, ou... Cache-toi un peu, regarde cette personne derrière toi, tranquille, respire. Bah, c'est surtout qu'ils étaient pas loin de là où je suis, donc j'attends qu'ils passent. Faut pas qu'on les croise. Pour vous dire, je suis au 9315. T'es dans le sud, quoi. Enfin, c'est quartier riche, c'est quoi? Non, c'est quartier pauvre. Ok, ah bah nickel, ok, ils sont bons, ouf. Genre, un peu au nord du Naruto. Naruto? Ok. Naruto. Ouais, Naruto. Naruto? Ouais, Naruto. Le garage Naruto. Ouais. T'as pas regardé trop de manga, toi, quoi? Non. Pas loin, je vais m'éloigner. Ouais, éloigne-toi, regarde si t'es pas suivi, parce que c'est des fous. Je pense qu'on peut lui faire confiance, non? On est d'accord, on a fini la mission, là. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, au pire, si on l'a pas eu, vous avez quand même essayé de m'aider. Même si on n'a rien eu, bon, c'est mon informateur, il était pas ouf. Voilà, donc si jamais nos chemins se séparent ici, si tu boudes pas. Non, mais il faut bien que je désinstalle vos trucs dans vos voitures, non? Ah merde. T'es suivi? Tu sais ou pas? Ah, ça te fait chier, ça. Non, y a personne derrière moi depuis 8 ans. Vas-y, ben on est 2011. 2011, ouais, 2000, comme la date. C'est juste à côté, on a bougé cette position. C'est 5 km plus loin que 5001. Mais c'est juste à côté, t'inquiète. C'est donc cette vie-là qu'on a décidé de mener. Ah, n'empêche, j'ai fait des dingueries, mais c'est grâce à ce que le fait qu'il était tué. J'arrive avec ma ladade, il est là. Quoi. Mec, moi, il me collait de pisé, hein. Ouais, mais j'imagine. Mais après, ouais, autoroute, mais... frère, j'ai tapé 2,50 et j'ai pris une sortie, il a rien suivi. Bah, moi, je voulais juste peut-être te rejoindre une fois que j'avais semé ma patrouille. Je me suis peut-être prendre. J'aurais pris une des deux BM. Ouais, prendre une des deux BM, il fallait, parce que les deux voitures sur moi, c'était trop chaud, franchement. Vraiment, boy. Aïe. Ouais, attends, je te désinstalle ça. Vas-y, nickel. Merci. En vrai, j'ai jamais aussi bien conduit qu'avec ma tablette. Ah bah nickel. Tu pouvais pas te l'enlever des mains? Ah bah non, mais tu veux conduire la voiture comment sinon? Avec un volant, des pédales et tout quoi. La base. Non mais la voiture, ça se conduit de ça avec la pédale sur la tablette, la pédale. Eh, t'as passé trop de temps sur la station, hein.
Attends, dis-moi pas que t'es dans ta voiture assis et avec ta tablette t'accélères, tu recules et tu tournes. Bah si, attends, celle-ci c'est bon, c'est désinstallé. Combien? Bah en fait, y'a un volant devant nous. Ah mais ça sert à ça. Oh ça merde la bête. J'avais jamais compris, je me disais à quoi ça servait. Je me disais c'était encore un truc pour faire beau. Non, pour une fois ça sert, c'est un truc qui sert. Il a vos codes bancaires, non Le bouboule. Ouais, bouboule. Où il a tout, et même mon slip. Ouais, bah je vous prends un virement de 1000 chacun. Et t'es un bon de ouf. Je me mets à l'arrière, c'est plus confortable pour conduire. Non, mais devant c'est y a un volant avec des pédales et tout. Un vol quoi? Enfin, t'inquiète, vas-y, pois. Vas-y, allez, salut. Comment il roule de derrière et tout? Non mais il est débile. On va dormir où nous par contre? Vas-y mais au pire viens, on redescend chill, tranquille, on verra bien. Vas-y ouais. On roule tranquille sur la route de toute façon. Ah là 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 là. Putain, c'était une journée de fou aujourd'hui hein. Pour une fois que le plan il se passe bien. Pour une fois qu'on a réussi à semer la police quoi. Et maintenant tu peux cordialement aller te faire en cul.